Dans cette vidéo, je vais vous partager les résultats et aussi leurs avis sur le programme. Alors sans plus attendre, let's go. Bon les gars, comment ça va? Ça va. Bien, la forme? Ouais. Donc aujourd'hui là, on fait une nouvelle vidéo un peu podcast. Je sais pas si vous avez déjà vu des podcasts un peu. Non, en fait c'est libre, en fait, c'est-à-dire que bah, je vous posais quelques petites questions et chacun vous allez répondre un peu, voilà, c'est vraiment libre comme ça, ça évite que ça soit trop monté, trop coupé ou autre sur la vidéo, parce que sinon je peux tricher, donc non, c'est pas le but. Là on va parler du programme, on l'a suivi, donc oui, 30 jours, mais un petit peu plus du coup, hein, parce que comme vous savez, bah, y a eu les petites blessures là sur mon genou, donc ça va que j'ai pu réparer, et puis d'autres, il fallait qu'on cale une bonne date. Toi t'étais en voyage à l'étranger, voilà, au Macumba. Félos, pas rigoler, mais. Donc voilà, il y a tous ces petits trucs là. Donc on a fait quelques jours en plus, on va dire. Mais la vidéo là, elle sera pas sortie tout de suite. Ok, donc voilà, c'est pas parce que vous allez le voir actuellement là. Non, on a essayé de respecter. On est à, allez, honnêtement, 37-38 jours, on va dire ça. Un truc comme ça. Donc voilà, on a suivi le programme. Or, donc le programme or, c'est le programme 90 jours. Donc on n'est pas à 90 jours, on est à beaucoup moins. On a déjà des résultats, oui ou non, on ne sait pas. Le but, c'est d'aller voir ce qui se passe avec ce programme-là, d'accord? On ira au bout des 90 jours, donc ça tombera aller vers début d'été et on verra encore plus ce qu'on a gagné grâce à ça, ok? Déjà, la première question que je peux vous poser sur le programme, vos sensations au niveau du programme, tout simplement. Bon, c'était compliqué à faire tous les jours, trois fois par semaine. Okay. Parce que des fois il n'y a pas la motivation. Pendant les vacances ça allait, mais après pendant la reprise avec les cours et les entraînements, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas le temps. Ouais. Entre les cours et l'entraînement. Donc entre toute ton activité, donc là quand tu es en cours, c'est plus compliqué à suivre. Ouais. Ok, d'accord. Et tu as quand même réussi à suivre, tu as fait comment pour t'adapter? Sinon je le faisais que deux fois par semaine. Ok. Mais pour les vacances, je fais trois fois. Ouais. Donc quand tu es en vacances, tu arrives à le faire trois fois et là, tout va bien. Et du coup, des fois deux parce que c'est reste compliqué à faire, en tout cas pour ton cas. Ouais. Ok. Enfin, moi, un peu le même problème. C'est un peu dur à faire. Du coup, je faisais deux séances et quelques exercices le lundi, mais pas en entier. Ok. Et sinon, j'aime bien qu'on puisse quand même le faire et aller à l'entraînement après. C'est pas un trop gros problème. Ok. Et ça, j'ai bien aimé. Ça offre plus de possibilités pour le faire des jours d'entraînement. Ok, lourd. Et du coup, tu faisais comment pour gérer? Tu faisais de la récup? Ouais, les jours où il n'y avait pas entraînement, j'essayais de faire les séances avant les entraînements et comme ça, les jours où il n'y a pas entraînement, faire vraiment la récupération. Ok, donc en fait, tu avais toute une trame et des fois, tu n'hésitais pas à l'adapter par rapport à ton cas, quoi. Par exemple, il y a des jours où je fais deux fois d'affilée et par contre, du coup, je fais pas les deux jours après. Ok, puis je voyais souvent, vous me posez des questions sur les réseaux, donc ça va, c'était actif pour vous? Ça aurait voulu que ça soit plus rapide sur les réponses ou des trucs comme non, ça? Non, c'était très c'est bon. Okay. Il y a juste au début deux, trois trucs que je comprenais pas, mais ouais. Puis en plus avec les vidéos aussi pour aider. Ouais. Ça aide bien. Je pense heureusement qu'il y a les vidéos parce que sinon en vrai des fois ça serait compliqué. Mmh. Ok. Moi du coup j'ai rencontré le même problème. C'était surtout pour faire les séances. Et puis il y avait des exos que je comprenais pas. Okay. Du coup on l'a fait. La première semaine des vacances, j'ai fait les trois fois. Et après j'ai essayé de le faire le plus possible quand même. Ok. Donc on part sur deux fois à peu près. Et puis voilà, ok, ça marche. Bon, toi, Hugo, t'étais avec moi, plus avec moi. Ouais. Et voilà, donc nous, on a adapté un petit peu. Donc le programme, on l'a. Enfin, tu vas, de toute façon, c'est toi qui vas parler, mais voilà. Ouais, programme long quand même. Ouais. Il est long quand même, mais des fois, je commençais à 20h30. Je terminais à 10h du matin. Il va falloir raccourcir un petit peu. En plus, j'habite dans un appart, donc je sautais, les voisins, ils pétaient un câble. Mais à part ça, c'était bien, c'était un bon programme. Moi, je reviens de deux croisés d'affilée. Donc, j'ai fait le programme Dunk, mais j'ai fait un autre programme aussi que tu vas sortir, qui n'est pas encore sorti, c'est le programme Zéro Douleur. Ouais. Donc j'ai fait double programme en fait. Ouais. Donc ça allait. Ouais. Après donc voilà, on rigole sans ça, mais c'est vrai que le programme il dure 1h30. Et justement vous allez me dire si oui ou non, vous qui l'avez vécu, si c'est une vraie problématique ou pas. Antoine du coup. Le meilleur pour la fin peut-être hein. Donc dis-nous Antoine. Bon, alors moi en fait c'était compliqué. La formation que je suis par rapport au basket, c'est un peu bégeb. C'est donc du coup c'est très compliqué de.
D'allier tout ça et de mettre du temps pour ton programme. Ouais. Après, quand j'étais avec toi et Hugo, bah, je le suivais. J'essayais de le suivre au maximum, mais après, c'est vrai que c'est compliqué de trouver le temps, la motivation. De toute façon, on a vite vu. C'est vrai que toi, tu as le BPJEPS, donc une fois par semaine, tu es avec tes études et tout ça. Après, donc, du coup, tu as beaucoup de temps au club, à passer au club qui te demande. Derrière, tu as les entraînements avec nous, tu as les entraînements avec la 2. Donc derrière, c'est vrai que dans un cas comme toi, ceux qui peuvent s'identifier en tout cas à toi, c'est compliqué. Donc tu conseillerais de prendre ce genre de programme quand, à quel moment finalement? Pendant les vacances, on a plus de temps libre. Ok. Et puis à la trêve, c'est-à-dire quand tes matchs sont terminés et que tu fais juste des entraînements pour le fun, ouais. En fait, plus peut-être arrêter ces entraînements-là et se concentrer directement sur tes objectifs. Donc si c'est dunker, bah, faire un programme qui te permet de dunker comme le tien peut-être. Okay. J'ai vu le résultat des jeunes et franchement, j'ai été choqué, tu vois. Mm. J'étais choqué du résultat parce que j'entraîne Lilian avec toi. Mm. Puis après, vous le verrez dans tous les cas. Mais... C'est vrai qu'on a entraîné Lilian, on l'a vu. Vous, on vous voit pas forcément parce que vous êtes à Lons. Mais déjà, sur les déplacements de Lilian, qui était un peu plus... quand il faisait ses appuis, il était plus écrasé au sol. Il était moins dynamique par sa morphologie. Mais en fait, le fait de faire tout ça, en fait, nous, on l'a remarqué déjà. Mmh, l'explosivité. C'est vrai que ça, pour certains, c'est injouable. Du coup, ça devient injouable. Et ça, c'est très, très intéressant de voir ça. Parce qu'au-delà en fait, de la prise de détente, de sauter plus haut, il y a tout un aspect au sol où l'explosivité, bah, appuis, c'est beaucoup etc., mieux. Ouais. Et on ressemble plus à un basketteur. Quoi. Du coup, sur le programme, il y a eu un exercice qui était le mieux pour vous, que vous avez préféré ou pas, certains? Bah, moi, j'ai bien aimé l'espèce de double saut. Okay. On saute, on retombe sur une jambe. Okay. Pour sauter, il faut amortir. Celui-là, j'ai bien aimé le faire. Ok. Moi, j'ai bien aimé aussi la bandelette tibiale parce que ça travaille fort tout le long. Ah ouais. Et du coup, bah, j'aime bien ça et ça. Il y a même un moment où tu pousses. Moi, je sais que j'en peux plus. Ça se lève même plus. Ouais, ça se lève plus. T'as beau donner tout ce que tu veux, ça se lève plus. Ouais, ça se lève plus. Vous avez senti une différence sur le jeu ou autre quand vous jouez? Moins d'efforts pour sauter, on va dire. Moins d'efforts pour sauter, ouais. Ouais. Tu t'uses moins. Et sur vos déplacements, le fait d'attaquer quand vous attaquez? Bah, moi, je suis déjà plus rapide. C'est déjà plus rapide. Ouais, plus rapide qu'avant et puis oui, c'est l'explosivité. Ce qui est très important pour certains cas, c'est comme le cas de Lilian, un gars comme toi qui n'a pas d'explosivité, bah voilà, ça va être un intérieur, oui, il peut être intéressant plus tard. Que là, c'est directement intéressant et que c'est bien. L'explosivité vaut aussi et puis c'est vrai qu'on a plusieurs morphologies. Tito qui a l'air quand même costaud pour son âge, Lilian plus costaud et toi plus maigre. Et finalement, on est amené à se dire, quand on est dans des positions comme ça, on se dit « Ah oui, mais moi, quand je vois les autres basketteurs, ils sont un peu plus costauds, donc je dois être costaud. » Et en fait, non. Finalement, non du tout. Et puis, il y a certains grands basketteurs où on le voit, où ils sont plus costauds que les autres, moins costauds. En fait, la morphologie, ça dépend comment tu l'as travaillé au fond de toi, comment tu fais tes exercices ou autres. C'est important et puis ça préserve des blessures, des trucs au genou. Toi, je sais que t'avais eu un moment, tu m'avais contacté parce que tu avais un truc au genou et tu avais fait quoi du coup pour les semelles? Ouais, les semelles. Ouais. Les semelles. Et ça avait corrigé du coup? Ouais. Par chance, donc tant mieux. Ah oui, la récup, ça c'est bien ça qu'on en parle aussi un petit peu. C'est qu'on a trois exercices par semaine et entre temps, c'est de la récupération. Donc forcément, quand on est entraînement ou match, la récup qu'on a mis dedans te permet d'enlever tes douleurs musculaires. Voilà, ça permet ça. Et je trouve que c'est pas mal parce que souvent on donne des programmes, c'est que des exercices et il y a des erreurs qu'on fait et que j'ai fait aussi également, c'est que je vois des exercices, j'ai envie de dunker, je prends tout ce qu'il y a sur internet, je le fais. Et ça, c'est le pire truc. Il n'y a pas de renfo, souvent il n'y a pas grand chose sur ça et t'as amené à avoir un petit peu, j'ai une petite douleur, j'ai une petite gêne au genou, je comprends pas, c'est bizarre. Tu vas voir un médecin et dire, ah, bah, deux semaines de repos, tu mets des anti-inflammatoires, un peu de glace, puis ça va aller. Puis ça va toujours pas, tu comprends pas pourquoi. Puis voilà, c'est à cause de ces trucs-là aussi. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va s'échauffer tous ensemble. On va s'échauffer, puis on va voir. On va voir où on en est, on va voir la différence. J'ai oublié le casque, pour cas où si tu te tapes la tête. Faire un traumatisme crânien. Attends. Ah, mais tu vois, ce soir, on a match. Hein. Donc les gars, faut qu'on passe ça sur le terrain. Là. On est bon? On s'habille, on va s'échauffer. Donc voilà, là on part à l'échauffement directement. Oula. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est vrai que dès le matin, c'est compliqué. On a les entraînements toute la semaine. Il va falloir aller récupérer un petit peu tout ça. On va faire circuler le sang un peu mieux. Ça s'appelle les points trigger. Je sais pas si vous connaissez un peu. Vous avez des points sur les muscles.
Il va falloir le trouver. Donc il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Dès qu'on les trouve, on les masse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pour enlever ce petit point. Le sang circule mieux dans votre muscle et vous êtes beaucoup plus... voilà. Ok ? Les gars, là, on est en mode massage. Ah ouais. C'est... regarde, si je l'enlève la main, regarde, c'est chelou. Donc là, comme je vous disais, les gars, c'est pour vraiment votre muscle. Quand il y a une pointe au niveau du muscle, bah derrière, c'est un petit peu plus sec parce que le sang ne circule pas à fond. Donc vous n'avez pas 100% de les capacités de votre muscle, en gros. On part de ce principe-là. Donc là, on fait ça. Après, on va faire des exercices un peu explosifs ce matin, mais pas trop, juste pour vraiment se mettre un bon petit échauffement. Et puis après, on va faire les tests, hein, tout simplement. Les gars, c'est du lourd, ils ont eu le programme hors de 90 jours. Bon, comme je t'ai dit, là on était qu'à 30 jours et quelques, 37 jours à peu près. Et on a suivi ce programme-là. Déjà, il y a des résultats, mais je pense que t'es pas prêt. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, d'appuyer sur le bouton like. Et si tu n'aimes pas les tutos et en apprendre sur le basket, alors ne t'abonne pas. Voilà, ça c'est tout ce que je peux te dire. Ok les gars, c'est parti. Donc là, on va tout simplement aller voir où on en est. Tout simplement avec les mêmes, comme on avait placé la caméra la dernière fois. On va voir où est-ce que ça touche, on va voir la différence. C'est là ! Le cœur du sujet, les frérots, pour le programme Dunk. On est sur le programme or. On va voir ce que ça donne en direct. Ok, le but, c'était quoi? Pour certains, c'est toucher la planche avec la tête. Pour d'autres, c'était juste de sauter plus haut. Déjà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et ensuite, le dunk, ça sera pour la prochaine vidéo. Ou peut-être qu'il y en a qui dunk déjà. On ne sait pas. On va voir tout ça, les frérots. On va faire passer qui en premier. Les gars, on fait un Shifumi. Hugo, son but à lui, c'était tout simplement, vous avez vu dans les vidéos, je vous ai montré des vidéos d'Hugo, on les repassera ici. Le but, c'est de savoir bah, où est-ce qu'il en est, ce que ça lui a fait gagner, malgré ses deux ligaments croisés touchés plus ménisque, genou gonflé. Enfin bref, on peut aller loin comme ça avec Hugo. Et le but, c'est bah, déjà, est-ce que sa tête touche le filet ou est-ce qu'elle touche la planche? On ne sait pas, donc on va voir ça. Donc là, les gars, on va partir avec Hugo. Hugo, voilà, t'essayes de toucher le plus haut. Il est trop chaud. T'essayes de toucher vraiment le plus haut. Ouais, mais touche avec la main, enfoiré. Avec la main. Touche... Un gars, il touche avec la tête. Ok. Almata, tu touches la planche avec ta main. Non, finesse. Ah là, j'ai du jus. Oh les gars, il est chaud. Là, je veux le montant. Toujours plus. Attends, vas-y, fais un dunk. Il faut que je fasse quoi, mec. Ce que tu veux. Vas-y. Ok. Les gars, on fait passer qui? Tito. Donc là, les gars, Lilian, quel âge? 14 ans. 14 ans, 1m combien? 1m90, c'est parti Lilian, touche le plus haut que tu peux. Tu peux même faire à l'arceau, voir où t'en es au niveau de... Ok, okay, c'est parti avec un ballon. Let's go! Oh, ah la vache! Attends, c'est chaud! C'est chaud. Et mais ça, et mais il y a une différence de malade. Ça fait plaisir. Let's go! Attends, wesh! Non mais là, ça va être ce qui est impressionnant, c'est quoi? Ouais, c'est juste, mais putain, ça y est, et ça veut dire que là, tu continues. Ah. Tu veux essayer un dernier? Vas-y, repose-toi avant. Ouais, repose. Oh punaise, c'est prometteur. Donc là, avec un ballon, on va dire pas en même temps une balle de foot,
Il y a des gros résultats, ça c'est très bien. On est seulement à quelques, enfin 30 jours et plus, donc 37 jours à peu près. Donc ça, c'est franchement, bravo Lilian. Là, il faut qu'on continue fort, parce que tu sais déjà qu'avec les résultats que tu as là, bah, on va choquer tout le monde, d'accord? Déjà, c'est très impressionnant. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Ah, tu m'as ruiné pour le match de ce soir. Attention! OK! 86! OK! Oh la vache! Let's go! Il est revenu! Ça, c'est pas mal, ça! Il est revenu! Ah putain! Bah, t'as un centre de seul, là! Oh la vache! Eh, t'as 7, hein? Les gars! Tiens! Beltus, quel âge? 14 ans. 14 ans! Mais c'est marrant, c'est que des tout petits en vrai. 14 ans, 1m combien? 82, 3, genre. Putain, je me crois à la même taille. Il y a 5 cm de cheveux, hein, si tu veux. Ah oui. Putain, là, je suis à 90. Ok, donc là, pareil, tu vas essayer de toucher le plus haut. Ok, c'est parti. Let's go! Ok, let's go! Ok, parfait. Il est haut, l'arceau. C'est ça, Baltus. Là, on va te chercher une petite balle, on va voir ce que ça donne avec une petite balle. Ok, c'est dedans. Balle de tennis validée, les gars. Oh là, presque. Refais. Oh, t'es pas mal, hein. Mais lui, l'avantage, le seul, c'est que comme il est plus mince, lui, quand on va sauter, ça va sauter, l'enfoiré. Ok, sur ma tête. Dernier essai quand même. Pars de moins loin. Go. Ok, il y est presque. Pas loin. Parfait. Bien quand même. Bien bossé, Baltus. Ça, c'est bien. Ah, Titouan, quel âge? 14 ans aussi. 14 ans, ok. Donc là, on a été chercher la difficulté dans le programme. On a été chercher des jeunes. Donc ça, c'est bien. 1m combien? 1m80. 1m80, voilà. Ça se trouve, 1m79, mais t'es à capter avec les chaussures. 1m80, ok. C'est parti, Titouan. Let's go! Ok! Là, pas mal, hein? T'en es là, bien joué. C'est parti. Ouais, si tu veux, vas-y. Ok, l'affiché plaqué. Parfait. Acté, c'est parti. Là, on part avec un ballon. On part sur le petit ballon. Punaise! Viens. Ok! Mais là, t'es déjà un peu au-dessus. Ça veut dire que là, quelques jours après, on arrivera avec la main. Pour toi, en tout cas, la main, même un peu plus. À voir combien de durée on fait. Toi, là, t'es déjà avec la main. Donc là, ça serait là. Donc tu pourrais chercher en arrière et claquer fort. Et ça serait très impressionnant sur contre-attaque. Et toi, pareil, t'es au niveau de là, on va dire. Et il faut que je voie avec la vidéo où ça en était avant. Et puis après, donc là, ça va être la main, donc ça va être beaucoup plus simple, quoi. Sachant que vous avez 14 ans. Hein. Normalement, on dingue pas à 14 ans, mais bon. Vas-y, go! Ah oh. Allez, claque-moi ça. On n'en parle plus. Ok, ça, hop là, c'est validé. Ok. Viens. Tu refais un dernier test. Oh, ouais, c'est rentré, t'as touché l'arceau, c'est bon. Hein. Non, c'est bien. Bonne évolution. Il y a quelqu'un qui arrive, un intérieur, 2m6. Le Serbe, faut que je l'écrase. Je suis trop loin. D'accord. Bouge pas. T'es prêt? Hein? Ah oui, là, je suis loin. Ah oui, là, je suis loin. Là, je suis très, très loin. C'est chaud. Ok. Enfoiré. Antoine Bouderge, 1m86, à seulement 18 ans, il arrive, invaincu. Non, Bouderge, donc voilà,
qui a eu ses raisons et tout, qui a fait quand même de temps en temps le programme, qui n'a pas su le faire tout le temps non plus. Ok, mais bon, il suit beaucoup quand même d'exercices avec nous, vous le voyez sur nos Instagram, donc on va voir. Déjà, tu touches l'arceau le plus haut que tu peux, Boudère. Ok. Putain, t'as pris quand même en bâtard. Oh, ben là, t'es là, gros, t'es sérieux. Gros, t'es là. Ok, Antoine, oh, bouge-toi. Allez, let's go, Antoine. Ok, allez, arrache tout, arrache tout. C'est chaud parce qu'il y est, mais en fait, tu la lâches. T'es à taille 6, là. Bon, celle-là, si t'y arrives pas. Là, là, hey, chef. Puis on peut pas tricher, on baisse pas. Hein. Ah, là, là, allez. Tu es presque. Aïe, aïe, aïe. Lance-la toi si tu veux. Ça compte. Allez, rentrez, allez, rentrez. Ici, on a suivi le programme or, d'accord. Voilà les résultats qu'on a pris. Déjà, on a beaucoup pris, sachant qu'ils ont 14 ans. Donc forcément, j'aurais pu prendre des personnes un peu plus âgées, hein, un peu plus seniors, aller chercher ça. Mais là, c'est plus intéressant d'avoir ces jeunes-là. Seniors, on verra plus tard. Mais voilà, comme quoi, tout est possible, vraiment, avec des gros résultats. Ici, hein, seulement 37 jours, c'est vraiment rien. C'est ridicule, en vrai. C'est vraiment, voilà, tu fais ça, c'était pendant les vacances, ça va continuer un petit peu après. Et voilà, les gars, comme quoi, tout est possible. Là, ils vont partir, on va tout simplement refaire un petit peu du programme jusqu'avant l'été. On verra comment on réadaptera, je vous donnerai la nouvelle mise à jour justement par rapport à ça. Et puis, on continue, on lâche pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent. Tout simplement parce que maintenant ils se disent putain, eux ils ont suivi le truc, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Donc déjà vous l'avez prouvé en bossant dur, déjà félicitations à vous les gars, ok, parce que c'est pas facile justement, tout le monde n'est pas capable de faire ça et d'allier les deux, tous les trucs en même temps. Mais voilà, votre objectif c'est de dunker et je vais vous aider pour les gars, vous inquiétez pas. Comme tu peux le voir dans cette vidéo, le but c'était quoi? C'était de voir combien de détente on pouvait prendre en à peu près 30 jours. Et ça, en tout cas pour certains, ça a été très réussi. Donc voilà, c'était le but de la vidéo. Sans forcément... Alors oui, on veut dunker, mais déjà, c'était prendre un maximum de détente, sachant qu'ils ont que 14 ans, ok? Mais en fait, on se rend compte qu'avec un programme et en étant sérieux, on est presque au dunk. C'est pour ça qu'on s'est fait kiffer à essayer de venir dunker avec des petits ballons, ce que je vous conseille des fois si vous êtes au bord du dunk, d'accord, pour emmener cette technique, parce que derrière les exercices, il y a aussi une technique de dunk. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez vu ça. Dites-moi même en commentaire si vous voulez qu'on voit tout simplement savoir ce que ça donne après au niveau des 90 jours. Si vous êtes chaud, alors pourquoi pas, dites-le en commentaire. Et si vous avez un autre sujet à voir, mettez-le moi aussi dans les commentaires, ça pourrait être vraiment cool, les gars. Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que Lilian, Baltus ou autre, à part Antoine qui l'a pas vraiment fait, d'accord, et voilà, on a été honnête avec vous. Les autres, ils l'ont fait, mais pour certains, quand c'était trop compliqué, ils se sont fait que 2 séances, sachant que normalement, c'est 3 séances. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est que il manque de temps ou autre chose comme ça. Entre 2 et 3, c'est ce que je vous conseille de toute façon de faire pour le programme. Si tu fais 3, c'est que tu mets toutes les chances de ton côté. Alors dites-vous bien que là, ils ont pris énormément de détente en faisant pour la plupart que 2 séances par semaine. Alors imagine s'ils auraient fait 3 séances et imagine c'est toi, tu fais 3 séances. Je pense que les gars, ça aurait pu même encore sauter encore plus haut, même si c'est là, c'est déjà énorme. Même dans mon cas, clairement, j'avais jamais touché la planche avec ma tête et là, j'y arrive. Enfin, franchement, j'étais tellement content. Tu le vois dans la vidéo, j'étais heureux. J'ai un rider que je tapais avant, bien avant quand j'étais jeune. Là, boum, je le retape. Ça veut dire que là, les gars, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup, beaucoup vraiment, et ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous mettre ce programme-là. N'oublie pas qu'il y a un programme aussi qui est gratuit, 100% gratuit, ok, à disposition pour toi, parce que tout le monde ne peut pas se permettre, forcément. Et derrière, si tu veux vraiment avoir des résultats comme on a pu avoir là, n'oublie pas, tu peux passer à l'action sur notre site internet, d'accord, sur www.commentdunker.fr, en tout cas pour les plus motivés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un format un petit peu plus différent, mais je suis resté moi-même
naturel, et on a essayé de vous donner, et pas vous mentir, vous donner tout ce qu'on avait, vous transmettre la réalité sur ce programme et autres sans rien vous cacher. Donc sans plus attendre les gars, n'oubliez pas le bouton like, abonne-toi pour les personnes concernées et on se rejoint pour la prochaine vidéo. C'était Deltaloid les gars.